La reconquête des quartiers Est. Vous avez ce qu'on a vu par exemple avec le 109 qui est en plein développement, en pleine reconquête. Et tous ces quartiers-là méritaient qu'ils aient un multiplex de cinéma. Nice Nord en est équipé, le Ouest de Nice aussi. Et là, il faut savoir que ce complexe cinématographique, non seulement va servir tous ces quartiers de Nice qui sont importants et qui ont un développement culturel très fort. Vous avez la salle Innoventura, vous avez la Black Box qui est à côté, et il y a un vrai développement culturel dans ces quartiers ici, et il manquait un multiplex de cinéma, non seulement pour ce quartier, mais il faut quand même aussi imaginer que ça va beaucoup plus loin que ça, car si vous allez jusqu'à Villefranche-sur-Mer, derrière, vous avez du mal à trouver des salles de cinéma. Donc c'est une partie même de au-delà de la ville qui est desservie par ce centre de cinéma, par ces salles-là. En plus, je dois rajouter quelque chose qui est très important et qui était dans le cahier des charges qu'on avait demandé à Mégarama, c'est ces deux salles d'art et d'essai. C'est vraiment quelque chose de très important parce que les salles d'art et d'essai, il n'y en a pas beaucoup à Nice. Il y en a quelques-unes, mais qui sont vieillissantes, qui sont vieilles, mais qui n'ont pas les équipements de nouvelles technologies qu'elles méritent aujourd'hui. Donc on a maintenant deux salles de plus consacrées au cinéma d'art et d'essai.